monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine, une nouvelle vidéo. Donc, on commence cette nouvelle semaine avec un travail avec le ballon paille, d'accord? Un échauffement classique et un peu de travail avec le ballon paille. Donc, il va nous servir debout pour faire des mouvements avec ce ballon. C'est très léger. Si vous n'avez pas de ballon, faites les mouvements sans ballon, d'accord? Évitez, hein, si vous voulez prendre à l'est, mais pas plus de 500 grammes, ne faites pas des mouvements parce qu'on va travailler en dynamique. Donc attention aux blessures si vous prenez une charge trop lourde, d'accord? Sans matériel, ça va aussi. C'est juste au sol où justement ce ballon, il est très appréciable pour travailler au niveau des abdominaux. Pareil, si vous n'en avez pas, ben, vous ferez des abdominaux, je vous montrerai plus classiques, ou sans l'aide du ballon, parce qu'en fait, c'est une aide quand on le place derrière son dos, hein, quand vous avez l'habitude, quand on le fait au niveau de nos cours. Voilà, bon, ben, j'espère que ça va bien pour vous et on va commencer notre séance avec un échauffement. Allez, on inspire, on monte les deux bras et on relâche en soufflant. Encore. Une dernière fois, on incline. Une dernière fois. Et on peut relâcher. On fait step out, on balance d'un côté et de l'autre. Et avec les bras ici, on va allonger sur le côté. Hein. Merci beaucoup hein, pour vos messages, soit sur la chaîne après les vidéos, soit par SMS. Ça me fait toujours plaisir et je me sens soutenue, ça fait du bien. Alors, on va ramener ici juste le pied vers l'intérieur. Et avec la main opposée, on vient au contact du pied. Balance.
terre en marche. Step touch. Si on a de la place, on double step touch. On peut croiser le spine. Allez, dernier, talon fesse. Allez, 7 minutes d'échauffement. Alors n'oubliez pas, hein, si la musique elle coupe, c'est que YouTube ne veut pas que vous utilisiez cette musique. Mettez chez vous une autre musique. Là, ça va être un BPM de 135 à peu près. 130 à 135 pour faire les mouvements. D'accord? Voilà. Alors ici, avec le ballon et la jambe, on va sauter. Pour l'instant, on est un petit peu plus lent. Je vous rappelle hein, qu'avec les mouvements bras et jambes en même temps, tout de suite ça fait monter le cardio. Quand on va aller un petit peu plus vite. Hein. On va plus vite. Petit saut. Si on ne veut pas, hein, on va plus vite sur le saut. Hein, d'accord? Thank you.
dernier. Sur un côté, bras opposés, on se fatigue, on ouvre la jambe et le bras opposé, on écarte le bras sur le côté. Jambes d'appui légèrement fléchies, serrez bien vos abdominaux. Thank you.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier pour l'autre. Ouh! Tu tires le manche. Dernier, envoyez là cette tête. On reprend ici. Hein. Allez, on reste ici en statique. On va venir en haut. D'accord ? On incline, hein, toujours le travail au niveau de la taille. Alors, si ça ne va pas sur le haut, faites le mouvement vers le bas, hein, d'accord? Mais on essaye quand même. Vers le haut, non, c'est bon, pas l'épaule. Attention, c'est le bras que j'allonge en inclinant sur le côté. Mais vraiment, ça va tomber mon ballon. Presque, je l'ai rattrapé. Allez, on y va. Soufflez bien. Hein. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et les derniers, et on relâche. On vient ici, on garde l'écart au niveau des jambes, et on va descendre en squat avec les bras tendus vers l'avant pour l'équilibre. Et on y va. Allez, soufflez dans la montée. Oui. 2, dernier, on reste petit en bas. Allez, petit mouvement comme si on voulait aller s'asseoir. Allez-y, à continuer. Je sais pas si la t-shirt. On remonte. Oui. 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernière. Allez, petit. Allez, on essaye. Bien petit à l'arrière, on fait travailler les cuisses, les adducteurs. Et on remonte. Relâchez bien les jambes, buvez.
Ré, ré, ré. On va prendre son ballon. Allez, on monte ici les genoux et on vient toucher l'extérieur simplement avec le ballon. Alors, ça veut dire qu'on a aussi une rotation hein, du bassin, du buste. On essaye d'aller chercher les obliques au travail là, avec la rotation. Dernier, on change, on y va direct.
bien, voilà. Allez, on relâche bien, on prend un coup et on va continuer au sol. Et on prend son ballon. Le premier exercice, vous le connaissez. Pour les personnes qui ne connaissent pas, petite explication. Je viens caler ici mon ballon à l'arrière. Alors des fois, ça peut glisser, tout dépend des vêtements qu'on peut avoir. Et je vais faire une extension du buste à l'arrière. D'accord? Mon extension, elle me permet de travailler au niveau des abdominaux. À chaque fois que je vais aller en arrière, mes abdominaux vont se contracter déjà naturellement. Parce que c'est une extension du buste, le mouvement qui veut ça. Moi, ce que je vais essayer de faire, bien évidemment, c'est de contracter encore un petit peu plus. Donc, on serre son ventre quand on va à l'arrière, en expirant par les côtes, d'accord? Le ventre, il est bloqué, périnée remontée, hein, d'accord? Je ceinture ici mon périnée. J'imagine que j'ai envie de faire pipi et je retiens. Attention à chaque fois à ce mouvement d'abdominaux qui met une très forte pression au niveau des, du périnée. On y va. Alors, les bras, on peut les mettre ici à la poitrine, d'accord? Vous pouvez les laisser sur les genoux et glisser. Juste, ne venez pas à l'arrière et faire ça. Parce que du coup, ce n'est pas vos abdominaux qui vont travailler, c'est grâce à la force de vos bras, d'accord? Et j'expire en allant sur l'arrière. Alors, le ballon, hein, vous voyez bien, il aide à remonter. Il aide à aller plus loin sur l'arrière en protégeant son dos. La tête bien alignée avec votre colonne vertébrale, elle ne part pas sur l'arrière. Et garantie votre place cet exercice. On va les sentir, hein, ces abdominaux. Hein. J'adore cet exercice-là, je pense que je ne suis pas la seule. Alors, il faut varier hein, les exercices. Hein. De temps en temps, celui-là avec le ballon, de temps en temps, des remontées de buste classiques, du travail aussi avec les jambes en hauteur. Voilà, il y a plein d'exercices pour vos abdominaux. Le but aussi, c'est de les faire correctement et de varier les exercices. Parce que si vous faites continuellement le même exercice, vos muscles ne progressent pas, on va dire. Vous allez être habitué à cet exercice-là, il n'y aura pas de progrès. Donc, de temps en temps, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une charge. D'accord? Les charges, on modifie un petit peu le mouvement. Et du coup, ben, ça fait progresser. Parce que le muscle a une mémoire. Hein. Une fois que vous connaissez bien le mouvement, stabilisé, ça ne progresse plus. Allez, on y va encore un peu. Et on peut relâcher. Normalement, là, vous les sentez bien, hein, vos abdos. Alors, essayez chez vous. Allez, vous en faites 50 à la suite. Sans rapidité. Hein. Faites-vous un petit challenge comme ça. 30 au début, lendemain 35, 40 et tout. Voilà. Pas tous les jours, essayez même un jour entre et refaites un petit peu ces exercices, d'accord? Alors, abdominaux, on peut en faire tous les jours. Après, vous variez vos exercices, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, pour une sangle abdominale ferme, d'accord? Pour des, voilà, qui vont servir justement à maintenir vos viscères en place,
On n'hésite pas à travailler ses abdominaux. Hein. Allez, hop. On vient ici, on continue maintenant avec les fessiers. Le ballon est simplement coincé au niveau des genoux. Tu l'as le poney, hein, c'est simplement l'exercice du pont. On vient pousser bien sur les talons pour remonter le bassin. On n'hésite pas, quand ça va, de mettre une charge au niveau ici du ventre. Hein. Alors, je vous ai déjà dit, hein, si vous voulez travailler un petit peu plus l'arrière de la jambe, on vient aussi monter ici sur les talons. On reste sur les talons tout le temps de l'exercice. Alors, on écrase un petit peu hein, le ballon avec ses genoux. Vous pouvez tout de suite remarquer que les adducteurs, évidemment, travaillent. Et on a un travail supplémentaire au niveau des fessiers également. Alors, je vous avais donné les indications en restant haut, tout petit. Et on reste. Allez, on reste. Et on relâche. Ramène un petit peu les genoux vers la poitrine. On se redresse. Alors, je vous avais dit, le ballon, là, vous le trouvez sur Amazon, sur, comment on appelle ici, c'est Discount ou plein d'autres, voilà. Faites attention au délai de livraison, au frais de port également. Vous les trouvez aussi chez Decathlon. Alors, souvent, ils ne sont pas gonflés, ils sont dans une petite boîte qui coûte 5 euros, je crois. Pareil, si vous allez plutôt que de vous faire livrer, parce qu'ils ont des frais de port assez importants. Voilà, il est intéressant de travailler avec son ballon. Une fois que vous l'avez chez vous, voilà, vous pouvez faire plein d'exercices. Des fois, il est livré avec un petit manuel aussi dedans. Et sinon, vous en trouvez aussi des exercices à exécuter ben, là avec moi. Et puis aussi sur les vidéos ben, d'autres personnes sur YouTube aussi. Voilà, faites juste bien attention. Quand vous faites des vidéos avec d'autres personnes, voilà, les consignes de sécurité au niveau de votre placement, au niveau de vos abdominaux, au niveau de votre respiration, toujours. Hein. Là, cet exercice-là, on peut sentir hein, qu'au début, au niveau du dos, ça gêne. Au fur et à mesure qu'on fait l'exercice, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec une extension du buste à l'arrière. Un prêt, voilà, c'est des mouvements, voilà. Si vous avez déjà mal à l'avant, avant de faire l'exercice, ne forcez pas. Ça y est, il pleut. Allez, je remets la musique. Hop. Alors, un autre exercice. Ici, je viens coincer mon ballon à l'arrière. Vous avez vu? Attention, je vous monte. Ne le faites pas tout de suite. Regardez. J'ai une petite bascule. Et je remonte. Il est un petit peu plus difficile. Hein. Le ballon, il est accessoire. Là. D'accord? C'est un exercice qu'on peut vraiment faire sans le ballon. C'est bien du pilates. Hein. C'est du exercice pilates. On essaye de stabiliser après le mouvement. Je vais à l'arrière, j'inspire et j'expire. Je fais des cycles respiratoires, je ne bloque pas ma respiration. Et encore, on enroule et on vient tenir. Roulez bien sur votre dos, ramenez les genoux, on a une impulsion et on essaye de tenir. Allez, encore. Si cet exercice ne vous convient pas, ne le faites pas. Reprenez l'exercice avec l'extension du buste à l'arrière. Je me reste. Allez, on en fait encore deux. Enroulement du buste sur l'arrière. Et on essaye de tenir. Et on relâche. Alors, ce même principe qu'on a travaillé avant les muscles vers l'avant au niveau de l'extension du buste, on va venir replacer son ballon. Et on va travailler sur les obliques. On va venir ici croiser, rotation. Thank you.
Allez, encore. On essaye encore un peu, hein. Et on peut relâcher. Ça va? Voilà, n'hésitez pas à faire un petit peu, de relâcher quand vous sentez que ça va plus, et de recommencer un petit peu après. Je montre un autre exercice qui est sympa et qu'on fait aussi en cours, où on va travailler l'instabilité comme sur le gros ballon. Je viens placer ici mon ballon juste en bas du dos, au niveau du fessier. Il risque pas de péter, hein, vous inquiétez pas. Je ne vais pas le gonfler avec un compresseur, hein, ça s'appelle des ballons paille. Ceux-là, on gonfle vraiment avec une paille qui vibre avec. Si vous, vous gonflez avec les... je ne sais pas comment j'ai dit là, voilà. Ça risque de péter là, ça risque de me fragiliser. Allez, ici, avec les genoux vers la poitrine. On a la stabilité. On garde les mains au sol pour l'instant et on essaie d'allonger la jambe. Alors, vers le sol, plus vous allez ramener la jambe vers le sol, plus elle va solliciter la sangle abdominale. Plus vous montez, plus ça va travailler plus au niveau de la jambe et un peu moins les abdominaux. D'accord? Et on ramène à chaque fois. Votre stabilité, ne faites pas ça. Hein, ne venez pas pédaler, vous allez perdre de la stabilité. D'accord? Et on allonge. On ramène, j'inspire. Et je souffle, j'allonge. Là aussi, hein, c'est des exercices. Du pilates, on contrôle le mouvement, il n'y a pas d'engagement de rapidité, quand vous sentez que vous relâchez ici la sangle abdominale, que cette graisse difficile, que vous sentez une gêne, relâchez complètement le mouvement, reprenez un peu de stabilité, redressez-vous un petit peu. Donc, une fois qu'on a un peu plus de stabilité, on vient monter les bras ici. On accompagne le mouvement avec le bras sur l'arrière. Allez, un dernier. Et on peut relâcher. Enlevez le ballon. Redressez-vous. Voilà, on a eu 30 minutes de renforcement musculaire. Vous avez vu que sur les mouvements debout avec le ballon, on était un peu plus en dynamique. On a travaillé musculairement aussi, hein, tout l'ensemble du corps. Dynamique ne veut pas dire... on ne va pas travailler en renforcement en profondeur. À chaque fois, on a eu des mouvements qui nous ont permis d'allier cardio et renforcement musculaire. Pareil, quand on est au sol, ce n'est pas parce que les mouvements ils sont plus lents qu'on ne va pas dépenser de l'énergie. Bien au contraire, pour solliciter vos muscles, il y a une grande, grande dépense énergétique. C'est le souci des fois avec les personnes. Les personnes pensent que si elles ne transpirent pas, si elles n'ont pas de douleur, si voilà, elles ont mal travaillé. Non, non, ça n'a rien à voir. Les douleurs, vous en avez quand vous ne maîtrisez pas encore le mouvement, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé, ou quand vous avez travaillé un petit peu plus que d'habitude, ou un mouvement qui est différent. C'est normal d'avoir le muscle qui réapprend, et voilà. D'accord? Après, au niveau de la transpiration, c'est différent pour chaque personne, d'accord? Et le mouvement, les mouvements au niveau du cardio ne veulent pas dire « je travaille mieux parce que je vais vite en BPM ». Là, on travaille plus lentement les muscles profonds. Et pour travailler ces muscles profonds, la consommation de calories et d'énergie, elle est importante pour nourrir vos muscles. Voilà, c'est dit. On passe aux étirements, on peut garder le ballon pour s'étirer.
très très bon pour sa colonne vertébrale. Et on peut relâcher. Il y a beaucoup de personnes hein, qui viennent en cours avec des membres, hein, justement. On vient ici avec, j'ai entendu, on vient masser un petit peu le mollet. Qui viennent en cours avec les montres connectées qui vous donnent la précision hein, sur les dépenses calories, voilà, les choses comme ça et tout. Ça reste aussi des gadgets, vous pouvez vous, vous baser un petit peu là-dessus. Mais c'est quand même histoire de voilà. Mis à part si vous faites quelque chose de spécifique, un entraînement bien spécifique et tout, ça peut vous aider à progresser, des choses comme ça. Voilà. Moi j'en ai, je ne les ai même plus parce que des fois ça bique, on ne sait pas pourquoi, des fois ça n'a pas pris la valeur, et après on est déçu. Allez, on peut relâcher, on fait pareil de l'autre côté. Après c'est pratique hein, quand vous allez marcher, quand vous allez courir à l'extérieur, avoir un GPS justement pour voir un petit peu le tracé que vous faites et tout. Mais il ne faut pas non plus toujours. Alors sur les téléphones, il n'y a pas qu'on peut faire dans une journée, ça aussi. Hein. Ça dépend où vous mettez votre téléphone, s'il est à votre bras, si vous faites d'autres mouvements. Si vous mettez votre truc en route, et même un podomètre en route et vous êtes en train de conduire, il va calculer aussi hein, que vous êtes en train de conduire et ça va vous faire des fois en plus. On dit 30 minutes d'activité par jour. Il est recommandé que ça soit du renforcement musculaire, que ça soit du cardio, tout confondu. On essaye d'avoir cette activité et on peut relâcher. On passe sur le côté, on se redresse, on étire le quadriceps, on ramène ici le pied sur l'arrière. Moi, je vous encourage à faire une, voilà, un petit peu tous les jours. Quand on ne peut pas suivre deux séances par semaine à chaque fois d'une heure, et bien, le but, c'est quand même de faire un petit peu tous les jours. Des fois, des petits challenges comme ça, vous pouvez vous faire une semaine. Ben, tiens, je vais faire tant et tant voilà, de squat, de travail sur cardio burpees, voilà. Alterner des exercices, une petite séquence de 10 minutes. On fait l'autre côté pareil. De la répéter à cette petite séquence plusieurs fois dans la semaine. Il faut avoir le temps hein, chaque fois de pouvoir se dire, mais tiens, une heure là, une heure après. Quand on travaille, c'est pas toujours évident non plus. Hein. Bon, là, la chance qu'on a, vous pouvez travailler chez vous. Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, il vaut mieux le concevoir comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous ne perdez pas de temps sur la route. Vous n'êtes pas embêté par le mauvais temps. Et on peut relâcher. Allez, venez, on vient étirer son dos. Et on se redresse. On vient se mettre debout. On vient étirer le fessier. On prend la position ici. On appuie et on allonge. Bon, je vais finir par terre. La jambe, je la ramène ici à l'arrière pour étirer le mollet. On met l'autre côté pareil. Vivement le beau temps, qu'on puisse avoir une activité, comme je l'ai dit l'autre fois, à l'extérieur. On va faire en sorte de mettre ça en place. D'être libre peut-être même le dimanche matin. You
On vous tiendra informé, hein, vous inquiétez pas. Et de l'autre côté. En tout cas, merci beaucoup à mes deux structures où je suis salariée, Gym Course Saint-Denis et Atougym. Voilà. Merci de me soutenir financièrement, de me soutenir moralement. Merci à la structure de François aussi. Pareil, qui me soutient financièrement. J'espère que les filles de Pontoise, ben, vous faites un petit peu. Faites-moi un coucou de temps en temps, ça me fera plaisir. Et on peut relâcher. Allez, on inspire. Et on souffle. Et merci aux autres, même que je n'ai plus de cours chez vous. Gisèle, merci de suivre mes cours. Je sais que tu prends beaucoup de plaisir à faire ces cours, de m'envoyer à chaque fois un petit message. Et je t'en remercie. Porte à crayon, j'ai travaillé au moins 7 ans, facile, 7 ou 8 ans, et on peut relâcher. Ça s'est terminé cette année, et voilà. Petite dédicace en tout cas à vous toutes et à vous tous, hein, messieurs aussi. Je vous remercie, j'espère que cette séance vous a plu, et je vous dis au revoir, à bientôt, portez-vous bien, jeudi, pour la séance Swiss Ball. Au revoir.